Mais ce week-end, c'était un tournoi amical, l'occasion de montrer qu'un match de water-polo, c'est avant tout une réunion de bons copains. Le but, c'est de promouvoir un peu le water polo, montrer que c'est un sport d'équipe, qu'il y a de l'engagement, mais qu'il y a ce côté fair play, ce qu'on peut appeler la troisième mi-temps, puisque là, il y a deux périodes, donc après, on se retrouve tous ensemble en train de faire la fête et aller boire l'apéro ensemble. Donc, c'est un peu le but de montrer que malgré l'engagement physique qu'il y a dans l'eau, en dehors de l'eau, ça se passerait bien, quoi. Au final, ce sont les joueurs de Noisy-le-Sec qui se sont imposés chez les hommes et les joueuses de Nancy chez les femmes.